Eh bien bonjour à tous les gens, c'est Denis, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième top 10 esquives sur la chaîne Horizon Clan avec des clips, cette fois-ci de psychopathes les gars. On a eu énormément de mal à classer tous ces clips parce que franchement ils étaient tous fous, vous êtes trop chauds les gens, vous êtes vraiment trop chauds. Et malheureusement on a eu beaucoup trop de clips mais du coup on les a pas tous pris et les prochains sont sûrement donc, du coup pour le prochain top 10 qui aura lieu sûrement dans deux semaines parce que vu tous les esquives vous nous envoyez les gars, vu comment vous êtes chauds patates les gars, ça va le faire je pense et on commence tout de suite donc sur The Giant avec Yesen Widow, excuse-moi d'avoir écorché ton pseudo, qui nous réalise un clip un peu what the fuck, que j'ai décidé quand même de mettre en intro, parce que regardez les gars, il est quand même resté coincé 3000 ans en haut, hein, sur la tête des zombies après, voilà. Hein. Écoute, cette esquive était inclassable, j'ai pas pu la classer, du coup, bah j'ai essayé de la mettre en intro, parce que je voulais quand même la mettre, elle était pas mal, franchement. GG à toi, Widow, pour cette esquive un peu what the fuck. Hein. Voilà, donc du coup, on va commencer à la 10ème place, les gars, avec... le grand Strait, il est anglais, il est sur PC, il s'appelle Strait, il va nous faire une esquive sur Deriez, sur B1 pour commencer ce top 10, avec attention, regardez, il voit qu'il est à la fenêtre, il voit qu'il y a plein de zombies qui arrivent, oh là là, que fait-il, DG se prend une triple, il arrive à faire demi-tour, hop, il rebâtit le barreau, et hop, il arrive à la zombie, oh là là, le demi-tour, il est coincé, non, il arrive à se prendre 5 baffes, et hop, à s'en sortir, oh, on a cru qu'il était coincé, on a cru qu'il allait mourir, les gars, mais non, il y arrive, et là, il va faire un petit truc fou encore, il va se dire, oh, je m'en fous, j'ai un petit demi-tour au téléporteur, allez, hop, Inch'Allah, je me fais coincer, non, même pas, les gars, il arrive à passer, c'est un ouf, c'est le grand Strait, j'ai dit Strait for your escape. Voilà, regardez, il se prend 5 baffes. Et voilà, allez, les gars, à la 9ème place, on se retrouve avec Chrony qui est sur la force sur l'autre raison. Regardez, c'est ce que vous la connaissez peut-être, les gars, mais regardez, c'est n'importe quoi les mastos. Et là, il esquive les baffes. Regardez, il se prend une baffe par demi-tour. C'est vraiment sur le 3, c'est vraiment très peu. Sur le 3, on prend extrêmement cher au niveau des balles, et là il a vraiment fait le taf les gars en force solo. Deriez Marao, GG à toi Chrony, regardez ce demi-tour magnifique, il se prend une baffe à chaque fois, une seule baffe, il arrive à être rouge et à faire la bonne glissade au moment, hop et hop, il se prend pas la dernière, il arrive à s'en sortir. Franchement GG à toi Chrony pour la 9ème place, très belle esquive. Et on continue du coup à la 8ème place avec Training is Love qui est sur dépôt force combat 4 avec ses coéquipiers. Attention, il aurait, attention, ils vont tous, oh, le cutback de ouf les gars, et il se prend une seule baffe, oh là là, c'est ce cutback incroyable. Enfin, incroyable, non, pas incroyable, mais franchement, réflexe que j'ai décidé de mettre à 8ème place. Parce que franchement, c'est pas mal. Et regardez, il se prend une seule baffe. Hein, alors qu'il colle les zombies, hop, le dernier, non, va-t-il la foutre? Non, il va pas la foutre parce qu'il est trop gentil. GG Training pour la 8ème place. Ah, la 7ème place, on se retrouve du coup avec Maxence qui enforce son cop mob avec son coéquipier. Regardez là, oh là, c'est le bordel. Les zombies ne font absolument pas attention à lui. Il le bloque pendant 3000 ans. Là, hop, il se prend une baffe, petit demi-tour. Là, regardez pas. Ils sont amoureux de son coéquipier, les zombies. Regardez ça, hop, il lui reste de calme, de tech. Mais non, là, il va s'en sortir tranquille, Maxence, tu gères. GG à toi pour ses skills, regardez. Et hop, le petit demi-tour, il va se prendre la baffe, voilà. Et à la 6ème place, donc du coup, on va continuer avec Tony Stone. Non, pardon, Tony Stone, pardon, excusez-moi. Kush qui sort. Regardez, hop, et là, hop, il colle les zombies, il se prend une baffe, oh, il arrive à s'en sortir, les gars. J'ai mis cette esquive à 6ème place, pourquoi? Parce que elle est provoquée, même si c'est un défi, les gars, elle est provoquée. Du coup, je l'ai un peu déclassé, mais franchement, elle est ouf. Regardez ça, comme il colle le pack, il se prend une seule baffe. GG à toi, Kush, pour la 6ème place. Et on va continuer, du coup, pour la 5ème place. Ça va être cette fois-ci, les gars, Tony Stone, car il se lance sur le mur. Regardez, il fait un petit package normal, tranquille, les gars. Il va tourner, tout va bien, la vie est belle, tout se passe bien, hop, normal, le package que tout le monde sait faire sur Moon. Il a décidé de package à cet endroit là, je sais pas pourquoi. Et là regardez, il voit qu'il y a beaucoup de zombies, il se dit que je vais. Est-ce que je tente un truc de ouf? Est-ce que je tente un truc de ouf? Et regardez là, il fait demi-tour, il se prend une baffe, oh là il colle les zombies, il décide. Oh là là, il fait des sous n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Il va s'en sortir en se prenant qu'une seule baffe sur deux, hein, les gars, c'est très chaud. Mais j'ai mis cette esquive quand même à la 5ème place parce que c'était dû provoquer encore les gars. Mais franchement, très belle esquive à toi. Tony Stone, GG. Et à la 4ème place, du coup, on va continuer avec ADZ Kino, le retour d'ADZ Kino sur Ascension. Attention, regardez, petite esquive, il est sur PC, regardez, hop, et là, il est coincé. Oh là là là, il fait le demi-tour parfait, le réflexe, les petits sauts, les petites couches droites pour esquiver les zombies. Il se prend qu'une seule baffe, sans masto, les gars, c'est magnifique, c'est une superbe esquive devant la boîte. Franchement, voilà, tu peux être content à toi, content de toi, Kino, super esquive, gros. Regardez ce demi-tour, les gars, il se prend une baffe, et hop, non, il repart, le petit saut, le petit gauche-droite, regardez, qui est ultra. Ultra utile quand même pour esquiver les zombies, parce que là la preuve, il se prend pas la deuxième. Franchement, GG à toi Kino. Troisième place les gars, on se retrouve avec Kush qui est sur mob, et regardez ses esquives les gars, il va se prendre 0 baffe. J'ai mis 3ème, elle est pas impressionnante les gars, elle est pas impressionnante, mais regardez ça,
il va faire le demi-tour, tranquille, tout va bien. Et là, il se prend 0, 0 baf. Je pense qu'il croyait qu'il était mort, mais non, bah, il arrive à faire un double demi-tour comme ça. Ils sont 0 baf, regardez, Ranti, il se bloque contre le mur. Il se rebloque contre le mur. Maintenant, les zombies sont toujours aussi gentils. Ils lui font des câlins. Il se prend 0 baf et il arrive à repasser vraiment. Ah, il a serré le cul là quand même pour passer un peu. Oh là, regardez ça, tous les bras qui sont sur le côté là. Il s'en prend aucun. GG à toi, Kush. Encore pour ta troisième place, et à la deuxième place on se trouve avec le grand Hatsaro qui est sur en griffe sur Town. Et attention, c'est filmé avec un écran télé, c'est pas grave, regardez, il va faire un esquive de ouf les gars en lutte. Regardez, là il fait déjà un demi-tour, déjà là c'est pas mal, oh là le saut, et hop, là il refait un demi-tour, il se prend 0 baf, oh là là il arrive à s'en sortir, il se bat sur le petit cut et il se prend 0 baf. 0 baf les gars, c'est terminé, il est en lutte les gars, il se prend 0 baf, il fait un truc de ouf, regardez ce demi-tour là, au canapé, hop, c'est magnifique, attention. Et voilà, devant la réa, GG Hatsaro pour ta magnifique esquive qui mérite bien la deuxième place. Et encore la première, bah ce sera encore du griff sur Town. Cette fois, ce sera attention les gars, ce sera Zarwick, et oui, à la 20. Et qui va nous faire une esquive de psychopathe. Regardez ça, c'est incroyable. Il est tout rouge, il se prend la double. Et là, il reste bloqué pendant 10 ans. Il arrive, il cut le zombie avec son taser, il arrive à s'en sortir, il se reprend une baffe juste dès que le régène est fini. Franchement, regardez, il nous a fait en plus un beau petit plan là pour qu'on le voie. Il est en jaune, les gars. Regardez ça, demi-tour. Et là, oh, mais regarde, il est bloqué. Regardez-le, il est bloqué. Mais non, les zombies, ils s'en battent les couilles, foutent rien. Il s'en va. Voilà, tranquille, franchement. GG à toi, Zarwick, pour cette première place. Franchement, c'est l'une des plus belles du top 10 pour l'instant. Parce que là, écoutez, les gars, elle mérite, sans hésiter, elle mérite la première place. Hein. GG encore une fois Zarwick. Et donc voilà les gars, donc c'est la fin du top 10. Merci encore à tous les participants. Le mail, vous le connaissez par cœur les gars. Envoyez-moi vos esquives. Et j'ai une petite annonce à vous faire. Une vidéo très spéciale va sortir, très importante du coup, ce week-end, normalement. Je vous en dis pas plus, mais vous verrez. Hein. Sur ce, portez-vous bien. C'était Zeny. Bonne soirée à tous.